Salut à tous, c'est Lascopas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Overwatch. On est toujours sur Xbox, on est sur mon compte secondaire, donc mon smurf manque sûr. On va partir en ranked en équipe de 5. Et donc pour le match aller je vais jouer Zenyatta et au match retour je jouerai Oriza. Voilà, on commence à se placer, on commence à observer, on charge son tir secondaire, on DPS un petit peu. Voilà, nos deux orbes sont placés, on joue reculé derrière nos mates comme il faut. Allez, on remplace l'orbe, voilà, à chaque fois sur les alliés qui en ont le plus besoin. On essaye d'avancer. Là, ça commence à avancer pas mal. On a un peu perdu des alliés. Voilà, comme d'hab, il faut surveiller notre range, ça c'est important quand on joue Zen. Et on continue, voilà, de faire des décalages, essayer de DPS un petit peu. Hop là, surveiller nos alliés, charger notre tir secondaire, voilà, et DPS en faisant des décalages. Allez, c'est reparti pour l'instant, ça avance pas. Notre Zarya est pas mal chargée là, donc faut la babysitter un petit peu. Aïe aïe aïe. On a failli perdre notre diva là-dessus. Voilà, donc là j'allais charger le tir secondaire, j'ai préféré l'arrêter tout de suite pour soigner mon Macri. Allez hop, on a eu... Ah c'est dommage, on avait eu la Pharah, mais là ça a lancé des ults. Ça a raise en plus. Hop là, à notre tour des 13. Sauf que le problème c'est qu'il y a la graviton, donc à notre tour d'ulti pour protéger les alliés, mais malheureusement ça suffira pas. Il faut s'enfuir. Là on je me tiens en vie comme elle peut, ma range meurt. Et malheureusement, je vais me faire récupérer. Voilà, donc là faut se regrouper. Il faut reset tout ça et repartir en attaque. Pour l'instant il se passe pas grand chose, là je suis médaille d'or en kill avec 3, je pense qu'on est un peu tous dans le même cas à ce moment là de la game. Leur Zarya faisait bien le taf, leur Pharah aussi, mais pourtant on a du hitscan. Allez, on est bien splitté en deux, sur les deux flancs, voilà, là c'est parti. On envoie le Reinhardt, il a plus grand chose, je me prends pour un DPS, j'y vais un petit peu trop pour un. Mais il le fallait, c'est parti autour de la range. Aïe aïe aïe, elle claque l'ult. Du coup je suis obligé de partir à gauche. Là je me suis vraiment mis hors de position. Du coup je vais vite aller me faire chercher et malheureusement je vais mourir. Mais pendant ce temps mes alliés ils ont quand même pu agresser, donc c'est pas mal. Voilà, je me dépêche de revenir et là qu'est-ce qu'on voit sur le kill field. Notre faucheur qui a bien fait son taf, il a bien envoyé son ulti, il a récupéré un kill important notamment sur la range. Derrière notre Zarya, voilà, qui récupère encore un kill, notre faucheur qui récupère encore un kill. Donc là du coup je me place pour voir lesquels vont vouloir venir un peu les uns après les autres histoire de les tuer très rapidement. Je me place pas sur le point, vraiment je les attends pour les discord un par un. Du coup dans ces moments là la meilleure défense c'est l'attaque, on commence direct à les attaquer. Maintenant qu'on a pris le point, il faut vraiment engage. Allez c'est parti, on se place, voilà je laisse mes mates passer devant. Allez on charge, tir secondaire, ulti du... Oulala, double ulti de la team ennemie, mais j'arrive à les récupérer. J'arrive également à quasiment récupérer la Pharah, voilà le Macri qui la récupère vite à la fin. Donc on a des morts mais ils en ont plus que nous tout en ayant utilisé deux ultis, on est en mode snowball, on est en train de capturer le point. La Zarya arrive, on la discord direct, elle enlève la discord, on la rediscord, elle utilise son graviton mais c'est pas grave car j'ai ma transcendance. Et du coup, autant sur le premier point on n'a pas fait la diff, autant sur cette deuxième phase d'attaque, suite à l'ulti du Reinhardt, comme j'ai pas été pris dedans, j'ai pu bien gérer... comme il fallait, j'ai pu bien DPS aussi le faucheur qui a ulti, donc du coup ça nous a vraiment permis de win ce deuxième point très rapidement et ça c'est nickel. Du coup maintenant on va défendre, donc j'ai pris Oriza, je suis le seul tank, mais c'est pas grave, on est un peu en mode compo cancer, compo tourelle avec un torb et une Symmetra. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner.
On est parti là-dessus. On a aussi deux hitscans, donc ce qui est sûr, c'est que la phara adverse sera bien counter. Et derrière ça, voilà, on a les tourelles qui vont gérer le sol avec moi. Donc en clair, on a quand même une bonne pression au sol et dans les airs. Par contre, on est assez squishy, on est peu tanky, quoi. Donc on va commencer à se mettre en position. Voilà, donc on est en train de se placer un petit peu. Un peu en train de se dire, est-ce qu'on tente de les foutre dans le vide. C'est pour ça que je m'avance un petit peu comme ça. J'ai jamais vraiment tenté de faire ça, donc je savais pas si ça allait passer. Mais du coup, voilà, on va le tenter. Hop là, on essaie de protéger la tourelle du Thor pour qu'il charge bien son ult. On tente le truc et ça ne passe pas du tout. Donc je pars vite me repositionner. Voilà, on commence à protéger nos mates, on commence à prendre bien position et à spammer le tir. À essayer de les rassembler, de les regrouper pour bien tirer. Voilà, on replace la barrière de protection. Barrière de protection qui se fait bien focus d'ailleurs, qui tombe assez vite. Donc là-dessus, ils avaient quand même pas mal de pression. Là, je suis obligé d'attendre un peu, voilà, avant de la replacer. C'est bon. Lazaria en face qui se charge assez bien. Faut se méfier de ce Anto. Surtout qu'on a perdu notre tourelle de Thor. Voilà, on prend des dégâts du Anto. Hein. Il est assez relou. Ok, la phara qui se cache un petit peu en haut. Il faut y faire attention. Voilà, donc là on peut bien tirer sur la diva derrière elle, ça c'est pas mal. Faut faire attention à la Zarya, voilà, on recule un petit peu. Allez, on va protéger notre ange, voilà, c'est chose faite. On ramène un petit peu l'Anzo, malheureusement il sera bien protégé par sa ange. Et je l'ai pas ramené à l'endroit où je pensais, donc j'ai mal fait mon pre-shoot en fait. Ok, on cherche un peu la phara partout. Peu n'importe quoi. Je suis en train de tourner en l'air comme un coup. À la limite, c'est pas trop mon rôle. On va se replacer. Voilà, il y avait la Zarya qui était gênante en haut, donc je vais la faire tomber à ce moment-là. Ça permet de mettre quelques dégâts à la range. Ok, donc là, ils sont quand même pas mal sur la position. Voilà, donc on va placer un peu. On va tuer cette baby diva. Heureusement, nos DPS ont bien pris place sur les deux côtés en hauteur. Ce qui fait qu'ils gèrent très bien. Ils font très bien le taf là, nos deux hitscans. Allez, c'est reparti. On protège le côté gauche. Donc là, on tire pas mal. On contraint quand même la Zarya à fuir. Elle a perdu presque toute sa vie. Donc on va pouvoir se rapprocher progressivement. Voilà, donc là, on les voit. On arrive à les rassembler et à bien pouvoir tirer dans le tas. L'ange qui claque un reste comme ça, je trouve que c'est assez bénéfique pour nous. Du coup, qui passe à droite, bah, on se replace à droite. Hein. Et là, on les rassemble bien, on récupère l'ange. On récupère presque le Anzo qui est contraint de fuir. On va les poursuivre un petit peu. Voilà, le Anzo qui a presque plus de vie. On finira par l'avoir. Du coup, maintenant il se place à gauche. Hop, on ramène la Bibidiva. On la DPS, on la rate un petit peu. Ça y est, on l'a eu. Et du coup, maintenant, duel face à la Zarya. Encore une fois, l'ange qui la heal. On n'arrive pas à les avoir, ils passent de l'autre côté. Donc on va se replacer, on va jouer à ça à chaque fois. Allez, on utilise l'ulti, ça les contraint à reculer. Hop là, on les rassemble une nouvelle fois. L'ange qui est bien protégé par la butte de Zarya. Voilà, on va les retirer par ici. On les force quand même bien à back. On arrive quand même à leur mettre quelques petits dégâts à chacun. Donc voilà, ils changent à chaque fois de côté. Mais moi aussi, c'est pas un problème. Je vais pas leur courir après. Voilà, on ramène encore une fois la range. Le soldat qui la termine, ça c'est parfait. Ok, donc là il y a l'ulti. J'arrive à m'en sortir grâce à mon invincibilité. À placer un bon coup. Le Winston contre moi, c'est bon.
Voilà, comme il est bien, bien épais, j'arrive bien à le toucher. Et du coup, on finira par gagner cette game sans qu'il prenne le premier point. Donc ça fait un petit 2-0. C'est assez sympa. Et voilà les gens. Alors, j'ai enregistré jusqu'au bout pour qu'on voit un petit peu l'évolution après les games en ranked. Voilà, on va voir l'action de la partie par une petite symétra des familles. Oula, on voit pas grand chose. Je pense que c'était le moment où je les avais un peu rassemblés. Là, voilà. Ah, bah elle arrive à tuer même la Pharah pendant son ult, donc ça c'est bien cool. Et du coup voilà, on va voir un petit peu ma carrière à ce moment-là. Donc c'était il y a déjà un moment de ça. Hein. Pour rappel, je suis platine. Voilà, on a chopé quand même quelques médailles. On voit un petit peu ce qui se passe avec Zenyatta. 48% de précision avec Zenyatta quand même, c'est pas mal. Avec Orisa, c'est un peu moins, hein. Ça c'est sûr. Voilà, donc j'étais monté dans les 2700 comme d'hab. Et c'est tout, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut !